Bonjour. Dans ce 12e épisode, nous allons voir comment sécuriser l'accès à des actions, c'est-à-dire comment interdire l'utilisation de certaines fonctionnalités de notre site lorsque l'utilisateur ne s'est pas authentifié comme administrateur. Donc nous, on a actuellement à la clé rôle de dollar underscore session, on a soit sa voix administrateur quand l'utilisateur s'est déjà connecté, sinon ça n'a pas de valeur. Donc on va servir de cette information pour savoir s'il faut afficher ou non les boutons d'action, ajouter un pays, modifier ou supprimer dans notre site. Ça veut dire que ces boutons qui sont ici, là, il va falloir qu'on les cache quand le rôle il est anonyme, comme c'est le cas ici. Alors aussi autre chose, il va falloir aussi qu'on interdise l'accès direct à une URL, sauf pour un administrateur, d'accord? Parce qu'admettons que ce bouton-là, il soit caché, mais que la personne connaisse cette URL, ajouter pays.php, bah, il lui suffit de taper dans la barre d'adresse l'URL pour accéder au formulaire. Donc dans ces cas-là, si on est anonyme, on redirigera automatiquement l'utilisateur vers la page d'accueil. Donc c'est deux protections. Alors on y va. Donc on va commencer par cacher le bouton ajouter un pays. Donc on va voilà dans la page d'accueil. Alors nous le rôle il est défini ici et donc c'est ici qu'on a ajouté pays le bouton. Donc on va rajouter une condition. Donc PHP donc if dollar rôle est égal à administrateur en PHP. On ouvre une accolade. Voilà. On ferme le code PHP. On indente. Et ici, on ferme l'accolade. Voilà. On ferme l'accolade. Voilà. Donc là, pour que ce morceau de code HTML s'affiche, il faut être administrateur. Alors là, j'ai mis .php, allez savoir pourquoi. Le rôle, c'est administrateur. Donc, je fais CTRL S, on vérifie. Ici, on est anonyme, on actualise. Toc, le bouton a disparu. Donc on va faire la même chose pour les boutons modifier et supprimer. Il faut les cacher. Alors, on reprend. Hop. Ce code-là. Alors, voilà. Ici, on a modifié et supprimé. Donc, on va se placer ici. Dans ce cas-là, on va décaler tout ce que. On va masquer tout ce code-là. Et ici, on ferme l'accolade. Voilà. Donc, on actualise. Voilà, les boutons disparus. Alors là, il me reste deux têtes de colonne qui sont affichées parce que voilà, les TD qui sont ici, ils correspondent à ces deux TH. Donc on va également les masquer pour avoir un code bien formé. Voilà, on décale. PHP, toc, toc, toc. Voilà, on sauvegarde. On actualise. Voilà, ça s'est décalé un peu. Donc là, voilà, on a nos cinq colonnes et nos infos. Donc là, nickel, impeccable, on a obtenu ce qu'on voulait au niveau des boutons. Maintenant, le souci qu'on a, c'est ce qu'on disait, hein, c'est si l'utilisateur, il sait qu'il faut taper l'URL ajouter pays pour ajouter un pays. Voilà, il a beau être anonyme, bah, s'il va directement là et qu'il saisit l'URL ajouter pays. PHP, et ben boum, ça s'affiche. Tant je suis anonyme, je suis pas administrateur. Alors il va falloir qu'on protège cette page-là. Donc on va aller dans la page ajouter pays et on va mettre une redirection si on n'est pas administrateur. Donc là, ajouter pays, voilà. Donc ici, on va faire notre test. Hein. Donc if le rôle est différent de administrateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il faut qu'on redirige donc header
Donc, location, voilà, et on va aller vers index.php. Voilà, et ensuite on fait exit pour sortir de la page. Donc, normalement, ça devrait nous renvoyer sur l'index. Alors on va aller voir ça, on actualise, boum, on est renvoyé directement sur l'index. Alors on peut refaire un petit essai en tapant directement ajouter pi.php. Toc, et l'URL, voilà, on est redirigé vers la page index. Donc ça, c'est impeccable. Alors, au niveau de notre site, on va devoir faire ça pour d'autres scripts. Alors, plutôt que de copier-coller tout ça, on va mettre ça dans une fonction. Donc là, je copie ça et on va aller mettre ça dans une fonction qu'on va utiliser dans différents scripts. Alors, cette fonction, voilà, je la définis ici. Function, on va l'appeler par exemple vérifier rôle. On va lui donner deux arguments. En premier argument, on va lui donner le rôle actuel et en deuxième argument, on va lui donner le rôle attendu. Voilà. C'est une fonction qui retourne rien. C'est une fonction qui dit que si le rôle il est différent. Voilà, copie du rôle attendu, on est redirigé vers la page d'accueil. Donc là, vérifier rôle, je copie ça, donc je sauvegarde. Voilà, et donc je vais ici, donc on va remplacer notre code par un appel à cette fonction. Et le rôle attendu, c'est administrateur. Voilà, point virgule, toc. Donc si tout va bien, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc on va faire une petite vérification. On va dire je suis ici. Je fais ajouter pi.php et je me retrouve au même endroit. Donc c'est bon, ça fonctionne bien pour ajouter pi. Donc il va falloir qu'on rajoute ce code-là dans les autres pages à protéger. Donc on a ajouté pi résultat. Donc on a les outils qui sont inclus, mais on n'a pas le. Voilà, session start, on fait la vérification. Ensuite, modifier pays résultat, on fait la même chose. Ensuite, modifier pays, on fait la même chose. Ensuite, supprimer pays résultat, on fait la même chose. Et puis après, on va sauvegarder tout le monde. Connecter, déconnecter, bon là il n'y a pas d'impact sur la base de données donc on s'en occupe pas pour l'instant. Donc là, une fois qu'on est là, on va bah, normalement tout est OK de ce point de vue-là. Hein. Pour la forme, on peut faire hein, par exemple modifier pays. On peut écrire modifier pays, on va en vérifier un quand même. Donc modifier pays.php. Et je reste sur la page index, donc je suis bien renvoyé. Alors, arrivé à ce stade, donc tout est OK quand on est anonyme, mais maintenant il va falloir qu'on vérifie que tout fonctionne encore si on est administrateur. Hein, donc on va se connecter. Alors le compte d'administration, c'est John. Et le mot de passe, c'est Do. Je me connecte. On a bien tous les boutons, voilà, ajouter, modifier, supprimer. Donc on va ajouter un pays, on va l'appeler ZZZ, un pays, une capitale, la population on met 1, 2, 3, la superficie on met 2, 2, 2, on ajoute. Donc réussite de l'ajout, on a bien notre pays qui est là, 1, 1, 2, 2, 2, on peut modifier. Donc la population, admettons que maintenant il n'y en a plus qu'un. On fait modifier. On va à l'accueil. La population, c'est bien plus qu'un. Donc la modification fonctionne actuellement. Également, on fait la réussite, la suppression. Réussite de la suppression, on va à l'accueil. Le pays est bien supprimé. Et si on se déconnecte, on n'a accès à rien du tout, mis à part le formulaire de connexion. Donc, bah, la gestion des fonctionnalités, elle est bien sécurisée maintenant. Donc, on a atteint notre objectif. Donc, sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous dirai rendez-vous. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.
Au revoir.